Comme d'habitude, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit giveaway, 10 millions cash à gagner sous cette vidéo. Petit like, petit commentaire, petit abonnement. Non, le titre, ce n'est pas du troll. On a la date de Dofus Unity. Alors, on a deux nouvelles à vous annoncer. Déjà, il y a les vœux de Toth pour la nouvelle année 2024. Bon, mi-janvier, mais c'est pas grave. Et on a plein de trucs. Déjà, oui, Dofus Unity, je suis désolé de vous le dire, c'est... cette année, en 2024, il l'avait déjà annoncé. On pensait naïvement que ça allait être milieu d'année, trois quarts d'année, décembre. Voilà. Et enfin, en décembre, nous aurons le plaisir de vous présenter la version Unity de Dofus. Normalement, pour moi, c'est la version jouable, donc pas la bêta, les alphas ou je sais pas quoi. Donc, Unity, Dofus Unity, fin d'année 2024, mais vraiment fin d'année, tu vois. Je pense qu'ils vont sortir ça le 15-20 décembre. Déjà, ça, c'est fait. Je vous donne déjà toutes les infos les plus importantes. Je sais que le titre va être un peu tape à l'œil. Et oui, il y a un double XP ce week-end sur Dofus. Ils nous ont prévenu aujourd'hui, le 17 janvier. Et il y a un double XP. Cet événement débutera le vendredi 19 janvier 2024 à 18h. Et se termine le 21 janvier à minuit. Jusqu'à là, classique. Par contre, ils nous baisent hein, parce qu'ils le lancent le vendredi à 18h. Normalement, ils terminent le lundi matin à 10h. Là, c'est vraiment dimanche soir minuit. Donc voilà, petit double XP classique. Sur tout le jeu, Dofus, Dofus Rétro. Non, ça ne marche pas en arène. Ça ne marche jamais en arène. Il n'y a pas de double drop. Et double XP métier. Donc XP classique et XP métier. Sur ombre, si t'es en XP x3, tu seras en x6. Si t'es en x6, tu seras en x12. Logique. Ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse? Là, il y a beaucoup de blabla. En vrai, tout le blabla inutile, je vais vous le passer. Je vous laisse lire. Hein. Vous mettez sur pause si ça vous intéresse. Vous pouvez le lire. Je vous mettrai le lien dans la description. On lit vraiment que ce qui nous intéresse. Il y a un truc, les refs, ça va être une dinguerie. Il y a un truc. Première annonce officielle de l'événement sur ombre. Je vous montre juste après. Je lis histoire de voir si j'ai rien oublié. Ok, là, il nous parle de trucs techniques. La refonte des alliances. Vous allez voir, c'est prévu. Enfin, la refonte de la refonte des alliances. Parce qu'actuellement, l'AVA, c'est à chier. Plus personne n'en fait. Les guilds n'ont plus aucun intérêt à part pour les maisons et les enclos. Et pareil, sur un autre dev blog qui m'intéresse pas, sur la partie Wakfu, ils ont leak qu'en 2024, il y aura une crossmonaute. Une crossmonaute, c'est en gros une réunion en Kama où ils présentent toutes les nouveautés sur l'année. Donc, il y aura une crossmonaute. Je sais qu'on en a pas eu l'année dernière, il me semble. Il y en aura une cette année. Osatopia 2. Il y a aussi une annonce de Temporis. C'est vrai que tant qu'à faire. Il y a aussi une annonce de Temporis. Il y aura un Temporis en 2024. Tatati, on s'en fiche. Dofus Rétro, ça m'intéresse pas. Si ça vous intéresse, vous prenez le lien, vous faites ce que vous voulez. Alors, Dofus, au cours d'ananana, s'est engagé dans une tâche complexe. Trouver l'équilibre, tatati, Dofus Rétro, on s'en fout. Voilà. Là, ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est la roadmap. Qu'est-ce qui va se passer en 2024? Déjà, là, sur les prochains mois, prochaines semaines, en production, c'est ce qui va arriver incessamment sous peu. Équilibrage Feka, équilibrage Sadida, Steamer, amélioration du Coliseum. Donc, en parallèle de la dernière match qui est arrivée, la 2.70. Et les refs, attention, événement serveur épique. Bon, c'est le serveur ombre. Je sais pas pourquoi ils ont écrit serveur épique alors que c'est le seul serveur. Donc oui, première annonce officielle d'Ankama par rapport à l'event ombre que je leur avais proposé et qu'ils ont accepté. Ils sont toujours en train de taffer dessus. Ça va être un petit banger. Je peux pas vous en dire plus, mais ça arrive, c'est en production. Alors, en développement, Expédition saison 2. Qui a apprécié ce truc là, moi je trouve ça guess de fou. Équilibrage des items légendaires, ça peut être une folie. Ça peut de une retenir de la valeur aux songes. Parce qu'on va pas se mentir, actuellement, de faire des songes, si t'as pas de jahash et si t'as pas de crocobure, ça sert plus à rien. Y'a que la jahash limite qui a une vraie valeur. Correctif des alliances, ça c'est cool. Anniversaire des 20 ans de Dofus, ça c'est cool. Je sais pas ce qu'il y aura, mais sûrement des petits events, etc. Sortie du portage Unity, c'est-à-dire, ça j'ai pas compris, mais du coup ça c'est décembre, on a bien vu que ça allait être décembre, c'est un peu triste mais c'est pas grave. En réflexion, nouveau contenu PVM, j'ose espérer. Donc nouveau contenu PVM, ça peut être cool. Système des petites annonces, il va y avoir Le Bon Coin en featuring avec Ankama. Je vends une Peugeot si jamais quelqu'un, si jamais ça intéresse quelqu'un. Encore un rodage de la Peugeot, 450 000 bornes. Il faut juste changer les 4 pneus, mais ça va. Une nouvelle feature guild PVM. Ça, j'ai pas trop compris. Nouvelle feature guild PVM, je sais pas. Je sais pas ce que ça donne. Donc, ça, c'est pour Dofus. Ça, c'est la roadmap pour Dofus rétro. Fusion des serveurs, lutte anti-bot, debug, donjon farmer, je m'en fous. Donc, oui, il y aura bel et bien un temporis cette année, mais sur rétro. Non, vas-y, c'est cool. La nostalgie, tard l'époque. Je m'en fous d'un temporis rétro, voilà.
J'ai la flemme. Le dernier, c'est bien, mais c'est bien d'y jouer une semaine, d'aller farmer le Shenmue, le Croca et tout, ça me pète les couilles. Bon, pourquoi pas. On verra bien si on le fait, mais ça me chauffe. Actuellement, sur le papier, ça me chauffe pas. Ensuite, ça, je m'en fous. Week-end chromatique, je m'en fous. Gladiator, je m'en fous. Contenu PVM, nouvel événement, ça m'intéresse pas. Ensuite, 2024, c'est une annonce importante pour Dofus. Les 20 ans du jeu. Voilà, durant l'été, vous pourrez retrouver l'événement des 15. Ok, il y aura peut-être full event cette année. L'événement des 15 ans, je me souviens pas. C'est quoi l'événement des 15 avec Tot, etc. Ah, je m'en souviens plus. Ok, bon, il y aura sûrement des gros events cette année. Encore heureux pour fêter les 20 ans, ça se fête quand même. Puis lors de la date d'anniversaire du jeu, vous pourrez découvrir un nouvel événement et une zone qui sera remaniée pour l'occasion. Oh, un tout nouveau event en 2024. D'accord, pour le moment, on se trouve que ça va être mystère. Nous en reparlerons en temps voulu. Avant les 20 ans, vous pourrez retrouver l'expédition saison 2 qui arriveront au printemps. Ce sera pour vous l'occasion de retourner affronter différents boss du jeu dans une nouvelle version. D'accord. D'accord, pourquoi pas. Dofus Retro, ça m'intéresse pas. Déploiement du portage Unity. Qui dit 2024 dit portage Unity. En effet, cette année. Le portage qui a été évoqué. Ah, c'était il y a 5 ans qu'ils ont parlé de Dofus Unity. Oh la vache, 5 ans. Ouais, mon gars, c'est le dernier des voix. J'espère que ça va. Juste 2 secondes, mon ref, je te prends. 1 minute, pas plus. J'allais dire 2, mais je vais pas abuser. 1 minute, pas plus. Qu'est-ce que c'est? Point exclamation, Oli, tu connais, petit partenariat, ça fait 2 ans, c'est banger. Qu'est-ce que c'est? Boisson énergisante sans sucre avec des bonnes vitamines. Iced tea sans sucre, boisson pour sport. Si des mecs qui font du vélo, bam, t'as une petite crampe. Tu bois ta petite boisson, t'es bien. Je te présente, tu connais déjà, t'as vu 1 milliard de pubs sur ma chaîne YouTube. Fais pas genre, tu connais pas. Si tu veux tester, qu'est-ce qui se passe? Pack découvert, 14 échantillons, tu testes 14 saveurs, tu vois ce que t'aimes. Bien. Tu peux tester les goûts énergisants, tu peux tester les iced tea, tu peux tester les boissons pour sport. Ensuite, si t'es un mec chaud, tu veux directement un gros pot comme tout ce que j'ai derrière moi. Il y a un tout nouveau qui est sorti, c'est celui-là, mon ref. Orange, citron, noix de coco, je le jure que c'est banger. Ensuite, baie sauvage, pareil, un des derniers goûts qui est sorti. Tout est là, tout est testé. Et moi, celui-là, il est lourd. Celui-là, il n'y a plus rien, il est vide. Si tu veux, mon ref, t'as un code moins 5 euros sur ta première commande et un code moins 10% pour toutes tes prochaines commandes. Ça régale. Vous savez très bien, ça me soutient. C'est bon si t'as accro aux boissons énergisantes de base, aux boissons sucrées. Tu passes sur ça, c'est 10 fois meilleur, 10 fois moins cher pour 34 balles. Avec mon code, ça t'en vient 34 balles. Ça te dure entre 2 à 4 mois. Sachant qu'un shaker d'un demi-litre, qui ressemble à peu près à ça, ils sont beaux gosses en plus, les shakers, ça te revient à 60 centimes. Et en plus, ils sont solides. Get ça. Il est même revenu à moi. C'est des shakers magiques. Ils reviennent à vous. Pas une égratignure. Rien. Banger les refs. Commandez. Alors, pour fêter dimanche, nous avons dévoilé le nouveau client le 20 décembre. Est-ce qu'il nous donne une date? Et pareil pour Dofus Unity, du coup, de ce qu'on a vu, ça va être en décembre 2024. Et tous les mois, ils vont nous donner des informations. Ils vont faire un stream sur Dofus Unity pour nous montrer des avancements, pour nous montrer ceci, cela, histoire de voir ce que ça donne. Et si vous avez loupé les anciens lives sur Dofus Unity, tout est disponible sur ma chaîne VOD. Vous allez sur ma chaîne VOD si vous voulez voir à quoi ressemble Dofus Unity, parce que des fois j'ai des aberrations dans mon chat. Tu vas ici, voilà. Ça, c'est le dernier Ankama Live, 2 heures, où ils montrent un peu les nouveaux graphique de Dofus Unity, ce qui va s'y passer, etc. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre, hein. Le reste on s'en fout. Voilà, bah voilà. Hein. Ils vont faire des live streams. Ils peuvent pas dire juste des lives. pour vous montrer les avancées du portage et d'échanger avec vous. Ok, ok. Que ce soit Tatati Retro, Dofus 2 ou Touch. Différents événements. Bon, le double XP. Voilà, le double XP c'est dit. Dernier mot. Ok, bah voilà. Rien de ouf. Enfin, pas des nouveautés de fou. Première annonce. Pour l'event ombre, un peu déçu que ça soit en décembre pour Unity. Et encore, s'il n'y a pas de problème, j'espère qu'ils ont mis large et que ça sera vraiment en décembre qu'il n'y a pas de problème. Et j'espère que c'est le jeu jouable et non une bêta, une alpha ou je ne sais quoi. Les nouveaux serveurs, du coup, bah, ça sera en 2025, les refs. Les nouveaux serveurs Dofus Unity, ça sera en 2025 parce que déjà, ils sortent Dofus Unity. Ils font les portages de tous les serveurs. Et ensuite, on aura le droit aux nouveaux serveurs multicompte et monocompte sur Dofus Unity à 9. Où tout le monde recommencera à zéro dessus. Ça, j'ai extrêmement hâte. Mais du coup, ça a pas l'air d'être pour tout de suite. Je vais devoir encore bien m'occuper, moi. Hein. Pendant un an, je dois m'occuper sans rien. Sans Unity. Et voilà, on vous souhaite plein de belles choses pour 2024. Ta-ta-ti-ta-ta-ta. Voilà. Faites-moi vos retours dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes déçu pour décembre. Le double XP, ils abusent un peu à avoir prévenu 2 jours en avance. Mais bon, il y a un petit double XP, ça se prend. Et moi, je vous laisse là-dessus, les refs. C'était Last Barouder. Petit like, petit commentaire. Ça régale.